Cette nouvelle a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans le monde de la musique quand elle a été révélée le 22 février. Les Daft Punk ont annoncé leur séparation avec une vidéo intitulée Épilogue, dans laquelle ils ne donnent pas la raison de cette annonce soudaine. Actif depuis 1993, le duo a publié 4 albums qui ont tous connu un grand succès lors de leur sortie. Le dernier en date, Random Access Memories, leur a fait remporter 5 Grammy Awards en 2014, dont celui de l'album de l'année. Leurs tubes Harder, Better, Faster, Stronger, One More Time ou encore Get Lucky sont passés en boucle à la radio et sont désormais cultes. L'annonce de la fin du groupe a eu un retentissement mondial, qui montre bien l'influence et le succès qu'il a connu. Pour l'occasion, le média en ligne Brut a publié une vidéo dans laquelle il revient sur des moments forts de la carrière de Daft Punk. Tout au long de celle-ci, les deux membres du groupe, Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Même Christo, ont toujours voulu protéger leur vie privée en cachant leur identité sous des casques. Cette pratique visant à cultiver le mystère auprès des fans, a grandement participé à leur succès. Sur cette vidéo de Brut, on voit néanmoins une interview des deux Français en 1996, avant qu'ils décident de cacher leur visage. Cette année-là, les Daft Punk n'ont pas encore sorti leur premier album mais connaissent déjà le succès grâce à la publication de plusieurs titres. On a vendu 15 000 disques dans le monde entier en écoutant les deux jeunes hommes parler de leurs disques, on se rend compte qu'on est encore loin du succès qu'ils auront par la suite mais qu'ils commencent déjà à s'exporter, on a reçu des fax du Danemark, de Suède, d'Espagne, du Japon, de New York alors qu'on a vendu 15 000 disques donc c'est très amusant. Il y a des gens qui sont intéressés par cette musique partout et qu'on peut vraiment atteindre en faisant des trucs dans sa chambre, on peut atteindre des gens à l'autre bout de la terre. Le reportage les décrit alors comme les nouvelles coqueluches techno de l'Angleterre qui viennent de France et qui cassent la baraque. On les voit également faire un shooting photo dans une chambre d'hôtel et parler de leurs inspirations. Une vidéo qui contraste largement avec le tournant qu'a pris le duo quelques années plus tard, où ils se sont fait extrêmement rares sur la scène médiatique.